Bonjour Jacques Bonnet, merci de nous rejoindre. Vous êtes contrôleur général des armées et vous avez publié dans un récent euh, numéro de L'Homme nouveau un article intitulé Rapport sauvé, analyse critique de la méthode et de ses résultats. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet Écoutez, euh, mon, mon intérêt de chrétien, pour commencer, j'avais en fait en tête... Un, euh, une annonce de Jean-Marie Sauvé du mois de mars dernier, nous indiquant qu'il y avait probablement une dizaine de milliers de victimes d'abus sexuels dans l'Église. Et quand je vois arriver euh, en, en octobre euh, dernier euh, euh, le résultat de ce rapport qui est de 330 000 victimes, je suis euh, interloqué. Alors je vais voir d'abord euh, le... le euh... La vidéo de la séance de, de remise de oui, ce rapport. Que j'ai vu également. Ouais. Voilà. Que je constate très surprenante, hein, avec une mise en scène qui me paraissait peu peu, peu, sereine. peu sereine, peu conforme <laughs> à l'objectivité voilà, normale d'un rapport professionnel, premièrement. Et deuxièmement, je constate surtout comme professionnel. Que ce rapport manifestement ne semble pas avoir été communiqué à son destinataire avant d'être livré à la presse et à l'opinion publique. Alors, justement, euh, au vu du professionnel que vous êtes, en quoi votre expérience professionnelle vous donne-t-elle une expertise sur ce rapport, son élaboration et sa présentation alors si vous voulez, comme vous disiez, bon, j'ai été contrôleur général des armées, donc une vingtaine d'années de ma vie professionnelle qui euh, ont été consacrées essentiellement à rédiger moi-même des rapports, hein, euh, à diriger euh, la rédaction de rapports euh, au sein d'une équipe hein, et euh, dans un certain nombre de cas, euh, encore plus nombreux, euh, à assurer une critique des rapports, euh, rédigé par un certain nombre de mes camarades dans le cadre des procédures collégiales qui étaient les nôtres au sein du contrôle. Euh, donc je connais le rapport comme, euh, comme euh, auteur. Je le connais également comme, euh, comme euh, destinataire, puisque j'ai été haut fonctionnaire, euh, directeur d'administration centrale, hein, j'ai été diplomate, hein, et que dans ces fonctions, j'étais membre de cabinet ministériel à Bercy et, et à la Défense. Hein, et que dans ces fonctions, j'ai eu à recevoir des rapports hein, euh, qui m'étaient destinés, et j'ai eu même également à en commander un certain nombre. Donc, si vous voulez, euh, 20 ans de ma vie professionnelle qui ont été essentiellement consacrés euh, à, à travailler avec et autour de rapports, hein, rapports établis par euh, un monde de hauts fonctionnaires. Alors, commençons par le début. Qui sont les membres de cette commission sauvée et quelles interrogations cela peut nous poser alors, euh, si vous voulez, les membres de la commission sont, euh, sont au nombre d'une vingtaine. Euh, euh, vous savez que cette commission s'appelle commission indépendante. Alors en fait, manifestement, l'objectif a été effectivement d'assurer une forme d'indépendance qui revenait à dire qu'on euh, allait réunir un aéropage de personnes qui n'avaient euh, aucun lien direct avec l'institution sur laquelle ils allaient être amenés à devoir porter un regard. Euh, dans le cadre de l'Église catholique, c'est quand même un petit peu original, mais sans aller jusque-là, euh, imaginez un rapport sur, une, euh, sur un nouveau médicament euh, qui aurait été rédigé par un aéropage d'experts et de spécialistes, incluant euh, de tout, euh, à l'exception de médecins. Voilà, donc euh, en gros, c'est le, le choix qui a été fait par la Commission au nom de l'indépendance, hein, comme si le fait d'avoir un lien avec une institution nous enlevait notre possibilité d'être indépendant et objectif. Hein. Euh, donc première caractéristique. Deuxième caractéristique, hein, c'est le, le, euh, le souci d'un pluralisme qui a amené le rapport Sauvé, la commission Sauvé, à être constituée d'un éventail de personnalités venant de tous les horizons religieux et politiques, essentiellement religieux, avec des représentants de l'islam, des représentants du judaïsme, des représentants de l'orthodoxie et des représentants du protestantisme, plus des représentants du monde athée. Euh, voilà. Le résultat de tout cela, c'est une vingtaine de personnes. Donc, pour euh, une douzaine d'entre eux, euh, anciens hauts fonctionnaires euh, et ou juristes, et pour sept ou huit d'entre eux, des experts, soit sociologie, de sociologie, soit d'histoire, soit dans certains cas euh, de théologie mais sans qu'aucun d'entre eux n'ait une expérience et une connaissance de l'intérieur, du fonctionnement de, de ce, cette institution qu'est l'Église catholique. Alors, quelle a été la méthode de travail de cette commission euh... Alors si vous voulez, la commission, euh, je vous dirais deux choses. La première, euh, et ce n'est pas secondaire, parce qu'il y a derrière tout ça un biais ou un risque de biais euh, assez considérable. La première, euh, le premier objectif de la commission a été de se centrer sur les victimes. Autrement dit, d'estimer que c'était à partir de ce que nous disait... Les victimes, que l'on pouvait être en mesure de comprendre le phénomène des abus sexuels dans l'église. Sous l'idée que l'on avait justement, qu'on s'était intéressé jusqu'à ce moment-là, essentiellement au point de vue des abuseurs et qu'on n'avait pas suffisamment écouté les victimes. Donc, une très grande quantité d'entretiens de, euh, et d'auditions de victimes. Premier point. Deuxièmement, le vrai, la vraie difficulté dans le rapport, euh, pour ce rapport, consistait à essayer de comprendre, à essayer de, de saisir les chiffres de combien euh, euh, quelle était l'ampleur des abus que l'on pouvait éventuellement constater dans l'Église depuis 1950, donc sur une période de 70 ans. Eh bien, donc c'est certainement extraordinairement difficile. Il y avait... Probablement euh, euh, trois manières de faire. La Commission en a retenu deux. C'est-à-dire qu'elle a retenu une approche qui est d'ordre euh, historique et archivistique. Elle a retenu une approche qui est de l'ordre sociologique. Je m'explique. Elle a retenu une approche consistant à essayer d'identifier dans l'ensemble des archives de la société française, c'est-à-dire les archives de l'Église, les archives de la justice. Les archives de euh, l'opinion publique à travers les médias, euh, voilà l'ensemble de ce qui pouvait exister dans la société française aujourd'hui et qui permettait d'identifier des actes relevant de l'abus euh, sexuel euh, dans ou au sein de l'Église catholique. Euh, et puis la deuxième chose que elle a faite, elle s'est dit euh, euh, essayons d'identifier quelles sont euh, aujourd'hui les personnes, les Français, qui sont en mesure de pouvoir dire qu'ils ont été abusés dans leur jeunesse Et à partir de ce nombre de Français qui voudra bien répondre à cette question-là, nous pourrons par interpolation trouver le nombre total, probable, des victimes de ces abus sexuels. Alors justement, ce sont ces chiffres qu'ont véhiculé les médias, les 216 000 victimes d'abus sexuels de la part de Claire, les 300 000 victimes d'abus sexuels euh, des Claires, mais également des laïcs. Comment est-on arrivé à ce chiffre Alors, euh, on est arrivé à ce chiffre de 330 000 victimes, très exactement, qui... Euh, qui dans certains cas ont été mis en avant comme étant une évaluation, mais qui sont devenus assez rapidement une certitude. Hein. On, a, on a entendu et on a lu, y compris des déclarations de responsables de l'Église, nous disant que le rapport Sauvé a prouvé qu'il y avait eu 330 000 victimes. Voilà. Donc on est face à un chiffre qui est devenu une certitude objective et historique, et qui repose uniquement sur une interpolation, réalisé à partir d'un rapport commandé euh, à l'IFOP. Excusez-moi, d'un sondage commandé à l'IFOP. Alors, pouvez-vous nous donner le détail du fonctionnement de ça <laughs> Oui, alors, euh, euh, si vous voulez, quand on veut faire un sondage, euh, on a deux types de biais, euh, deux types de problèmes à régler. Le premier problème, c'est que il importe que l'échantillon que l'on va... Euh, euh, que l'on va utiliser pour faire notre sondage, soit représentatif de la population totale. Le deuxième biais que l'on va avoir, c'est qu'il convient que les personnes qui répondent au aux sondage, y répondent de façon sincère euh, et objective. Alors, dans le cas présent, euh, pour des raisons de temps probablement, pour des raisons de coût également certainement, le, la commission a choisi de demander à l'IFOP de s'appuyer sur ce qu'on appelle un panel administré. C'est quoi C'est-à-dire que l'IFOP dispose d'un stock de personnes qui sont inscrites auprès d'elle et qui sont disposées à tout moment à répondre à un sondage par Internet sur une question euh, ou sur un sujet qui leur est posé alors euh, c'est à ça qu'a qu fait le, le qu a fait le, le rapport hein, c est, c est le, le sondage en question euh, s'est appuyé sur ce panel la grande difficulté c'est que les, les membres de ce panel ne sont euh, euh, certainement pas représentatif de la population française, d'une part parce que ce ne sont que des gens qui utilisent couramment Internet, euh, premièrement, deuxièmement parce que c'est un profil très particulier de personnes, puisque... Pour faire partie de ce panel, on fait partie de ce panel parce que non pas parce qu'on sera rémunéré, mais parce que l'on obtiendra des, des avantages, avantages. des mmh. cadeaux de tout genre. Et donc les gens qui sont euh, qui sont sur ce panel là euh, sont constamment sollicités pour répondre à n'importe quel type de sondage, hein, de manière à gagner des cadeaux. Moi, je peux vous dire que j'ai fait l'expérience. Je me suis inscrit sur le panel Ifop. Hein, et j'ai constaté que euh, euh, j'ai annoncé que j'avais un âge qui n'était pas le mien, que personne n'a vérifié, que j'habitais dans une région qui n'était pas la mienne et que j'avais un métier qui n'était pas le mien. J'ai malgré tout été retenu comme étant sondeur, comme étant sondé et j'ai pu répondre euh, à un certain nombre de sondages sur tous les sujets sans que personne ne vérifie à aucun moment quelle était la pertinence et quelle était la réalité des réponses que j'apportais. – Vous avez gagné voilà. des cadeaux et j'ai gagné des cadeaux. Je me suis arrêté au bout de 2-3 jours parce que j'avais, j'étais sollicité jusqu'à une dizaine de fois par jour. Il y a des gens qui ne font que cela, qui se contentent, qui vivent de répondre à ce type de sondage hein, de manière à gagner une quantité de cadeaux. Donc si vous voulez, euh, c'est ça qui est, qui est, qui est caractéristique, c'est qu'on euh, est face à une population qui, euh, qui n'est pas euh, représentative de la, de la population française. Hein, euh, et de tout cela, euh, il y a eu 28 000 personnes qui ont été sondées. Voilà, 28 000 réponses. Voilà, 28 000 réponses. Il y en a 112 sur ces 28 000 qui ont dit qu'ils euh, avaient été abusés dans leur jeunesse par un clerc. Mmh ce qui représente un pourcentage de 0,4% mmh. des personnes euh, 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 ayant été sondées, des 28 000 sondées, et on a multiplié le 112 par rapport à une population de 47 millions de personnes vivantes aujourd'hui adultes, et on aboutit à 216 000 victimes. Voilà. Donc on est devant un chiffre qui est, qui est une, une, une simple mécanique. Euh, de chiffres, mais s'appuyant sur une base, les 112, qui est une base particulièrement fragile, puisque ce n'est pas une base, un, représentative de la population française, et deux, ce n'est pas une base dont on peut avoir une, une, une certitude suffisante qu'elle a répondu de façon objective et réaliste à la question qui lui était posée. Si vous voulez, sur les 112, il lui suffit que. Euh, il y en a 112 qui ont répondu. Il suffit que 2 sur 1000 des personnes faisant partie de ce panel aient décidé de profiter de ce sondage pour dire tout le mal qu'ils pensaient de l'Église sans avoir jamais été abusés. Et au lieu d'avoir les 200 000 victimes, on en avait 80 000. Alors vous avez également, dans cet article, attiré l'attention sur un autre aspect du travail de cette commission c'est le nombre de clercs abuseurs. Alors, comment a-t-on trouvé le chiffre Alors, si vous voulez, sur le nombre de clercs abuseurs et sur le deuxième travail de la commission, donc c'est important d'y revenir, si vous voulez, parce que euh, c'est le travail que j'évoquais tout à l'heure, basé sur, sur des archives et sur, la, et sur les archives historiques. Hein. Euh, euh, donc euh, le travail qui a été fait là a consisté à identifier tous les cas euh, dans lesquels il y avait eu des abus identifiés par l'Église, par la justice ou par les médias, de leur appliquer ainsi que tous les clercs qui avaient été identifiés par l'Église, par la justice ou par les médias, et de leur appliquer un pourcentage euh, d'augmentation. Pour être à peu près certain de rentrer dans. de n'avoir oublié personne, qui est une multiplication par euh, 4 pour les abusés et par 2,5 pour les abuseurs. Ce qui veut dire que euh, ce travail de, de l'école pratique des hautes études aboutissait à l'idée que. à la constatation que. Ils n'avaient pu identifier que 5 à 6 000 victimes sur toute la période, mais qu'ils étaient prêts à admettre que cela pouvait aller jusqu'à jusqu'aux environ 25 000. Mmh. Ils avaient de la même façon identifié uniquement 1 200 abuseurs, mais qu'ils pouvaient admettre que cela puisse aller jusqu'à 2002 ou 2300. Alors, après, logiquement, et c'est ce qui a quand même suscité des débats, quand on divise le nombre de victimes par le nombre d'abuseurs, on arrive à un chiffre un peu astronomique. Voilà, alors si vous voulez, c'est bien. C'est le fond du problème, c'est qu'on est face à euh, un sondage qui est un sondage qui a sa valeur, mais qui est particulièrement fragile, et que l'on aurait normalement dû euh, interpréter. Voire redresser. Tous les, tous, les, tous les sondages, quand ils portent sur des sujets complexes, en train de redressement. Quand on demande à quelqu'un s'il envisage de voter pour Marine Le Pen, euh, c'est une question qui est considérée encore aujourd'hui, peut-être moins qu'il y a quelques années, mais comme une question complexe. Et donc on sait par principe qu'il y aura moins de personnes qui répondront euh, oui que celles qui euh, euh, voteront peut-être finalement pour elle. – Là, je dirais que c'est la même chose, si vous voulez. On est peut-être dans l'inverse. Il, il, il y en a sans doute qui ont répondu oui, mais peut-être qu'en fait, il lui fallut redresser et diminuer le chiffre pour au lieu d'avoir 330 000 ou 215 000, pour en avoir que, que 30, 40, 50, je n'en sais rien, si vous voulez. On eût dû faire ce travail-là, puisqu'on avait parallèlement au sondage, on avait ce travail… Incontestable sur les archives, qui disait au maximum c'est 25 000. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de 215 000 à 25 000 Eh bien, on oublie les, les 25 000 et on garde les 215 000. Pour le nombre de clercs abuseurs, voilà, c'est la même chose. Si on estime qu'il y a entre 2000 et 2500 clercs qui, qui ont abusé euh, au, au cours de, des, 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 des mineurs au cours de cette période, euh, euh, S'il y a eu 220 000 abus, cela veut dire qu'il y a eu euh, de l'ordre de 80 enfants abusés pour chaque abuseur. Or, tous les spécialistes, y compris un spécialiste membre de la commission, disent que cela est rigoureusement impossible et que le chiffre maximal euh, euh, admissible d'abus par abuseur dans le cadre de la pédocriminalité est de l'ordre de 7 à 8 personnes. Ce qui veut dire que comme on était sur 2000 à 2500, on aurait dû être normalement sur une vingtaine de milliers d'enfants de, de, abusés et pas de 115 000. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que finalement ce travail euh, avec euh, une enquête d'ordre sociologique basée sur un sondage. Et, et un travail s'appuyant sur les archives et sur l'histoire hein, aurait dû permettre d'aboutir de, de, de de, à un résultat plus prudent et plus mesuré. Et là, il, ce n'est absolument pas le cas. On écarte complètement l'option le, le, prudente et mesurée et on garde uniquement le chiffre de 215 et 330. Alors quelles sont les conséquences de tout cela, de tout cela sur les recommandations, préconisations faites Eh bien, si vous voulez, la, la, la première, je dirais que la première conséquence, c'est que si ce chiffre est avéré de 330 000 victimes et qu'il n'est pas remis en cause, effectivement, il aboutit instinctivement à considérer qu'on est devant un dysfonctionnement majeur d'une institution euh, qui exige qu'elle soit redressée éventuellement de l'extérieur. Hein. En tous les cas, c'est ce qu'on ferait dans la, dans la fonction publique. Hein. Euh, dans le cadre de l'Église, on pourrait dire qu'on est, à, euh, à, est face à une structure de péché, que l'Église est devenue une structure de péché, puisqu'elle est capable, par son fonctionnement normal, d'aboutir à ce nombre colossal de victimes. Ça, c'est la première, la première conséquence majeure de ce travail. Euh, tel qu'il nous est présenté. La deuxième conséquence majeure, et qui est euh, aussi importante, peut-être même plus importante, hein, c'est que de fait la Commission, euh, dans sa partie analyse sociologique, hein, a refusé ou n'a pas eu les moyens de prendre la mesure exacte hein, des abus commis depuis une vingtaine d'années. Or, c'était quand même le mandat explicite qui lui était donné. Euh, pour savoir, l'analyse sociologique et sur sondage s'appuie sur, en tout et pour tout, sur quatre personnes. On, on, on a fait un appel à, à la population française en général en leur demandant, est-ce que vous voulez, euh, venez témoigner pour dire si vous avez été abusé. Il y a eu 1500 personnes qui se sont manifestées. 1500 personnes, ramenez encore une fois aux 330 000, mmh, si vous voulez. Hein, bon. mmh. Sur ces 1500 personnes, il y en a quatre. Quatre, en tout et pour tout, qui ont fait allusion à des abus commis depuis les années 1990. Autrement dit, quand on demande à la population française, venez dire si vous avez été abusé depuis 1990, il y a quatre personnes qui sont venues dire, oui, nous avons été abusés depuis 1990. Dans le sondage lui-même, il y a huit personnes, en tout et pour tout, qui ont répondu qu'elles ont été abusées depuis, euh, depuis, euh, depuis l'année 2000. C'est-à-dire qu'on est passé d'un de, de rapport de, de 10 abusés par, euh, euh, par mois ou par jour, je n'en sais rien, en, en 1950, hein, à 1 peut-être un demi-abusé par jour dans les années 2005-2010. Donc si vous voulez, c'est la deuxième conséquence majeure du travail tel qu'il est présenté, c'est que d'une part, il dit il y a euh, une dimension systémique d'abus, premièrement, et deuxièmement, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait il y a 30 ou 40 ans. Donc, effectivement, c'est l'intégralité de la structure de l'Église qui doit être réformée. Alors, à ce propos, vous écrivez, vous, je le cite, vous parlez d'un agenda de réforme cachée. Ça veut dire quoi, ça Bien, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, premièrement, euh, euh, comme expert de la réalisation de rapports. Et de, de l'exploitation de rapports, je trouve que la façon dont ce travail a été réalisé est incompréhensible et est contraire à toutes les règles normales de la déontologie dans la rédaction d'un rapport de ce type-là. Donc, euh, si je suis face à, à un travail qui est incompréhensible, il me reste à me demander si c'est le fruit d'une euh, euh, incompétence si c'est le fruit d'un aveuglement ou si c'est le fruit d'une volonté maligne. Je pense qu'il y a malheureusement euh, peut-être un peu de tout cela dans ce rapport. Et je vous dirais que, pour être faire court, j'ai deux indices qui sont des indices majeurs. Le premier indice c'est que euh, la composition de la commission a été réalisée de telle façon qu'il n'y avait qu'un seul expert sociologue capable de, 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 de commander et d'exploiter le sondage sur lequel on s'est appuyé. Et cet expert est une personne dont euh, les convictions personnelles sont particulièrement connus et ne pouvaient pas être ignorés du président de la Commission. C'est une personne qui a pour objectif de détruire toute structure patriarcale dans le monde d'aujourd'hui et en particulier dans l'Église catholique. Elle n'a pas, elle a écrit elle-même dans le rapport qu'elle a remis à la Commission que tant que la structure patriarcale de l'Église ne serait pas détruite, euh, les abus sexuels y continueraient. Voilà. Donc ça, si vous voulez, le fait que que la Commission, que le président de la Commission ait choisi de confier ce rôle majeur, central, à une personne qui euh, était particulièrement marquée sur le plan idéologique, me pose un problème. Le deuxième problème, il y en a d'autres, hein, mais le deuxième problème majeur, c'est que le deuxième problème majeur, c'est que dès février 2020, c'est-à-dire euh, un an mmh. avant que les conclusions de tous les travaux conduits n'ait été disponible, Jean-Marie Sauvé écrit lui-même aux membres de la Commission. Et en disant à un certain nombre d'entre eux, je vous demande dès maintenant, sans attendre les résultats des travaux et des estimations chiffrées que nous avons devant nous, je vous demande dès maintenant de réfléchir et de mettre en place les, des propositions sur le plan théologique, sur le plan sacramentel, sur le plan dogmatique, sur le plan de la structure et du fonctionnement général de l'Église. Autrement dit, avant même de savoir... Et ça c'était encore avant même, alors qu'il disait encore qu'il y, y avait 10 000, il y avait 10 000, abusés, mmh. 10 000 abusés potentiels, avant même de savoir tout cela, de savoir combien il y en aurait, il a déjà prévu de mettre en place un certain nombre de propositions qui vont dans le sens de celles que nous avons vues paraître à la, à la diffusion du rapport. Ma dernière question, assez rapidement. Comment expliquez-vous le fait que les évêques de France aient semblé adopter ça sans, sans coup férir Il n'y a pas eu de réserve, personne ne s'est opposé, personne n'a dénoncé, personne ne s'est interrogé. Euh, je peux vous dire que. Mais euh, euh, je crois qu'on l'a lu ici ou là. Euh, il n'y avait pas unanimité des évêques de France. Hein et que la conférence, la conférence de Lourdes, la réunion de Lourdes a été une réunion qui n'a pas été très facile. Il se trouve que effectivement, l'ensemble des évêques de France ont estimé que et j'ai eu des échos personnels qui me sont revenus d'un certain nombre d'entre eux, ont estimé que, que eu égard à la diffusion du rapport et à l'accueil qu'il avait reçu de l'opinion publique, il n'était pas possible de venir apporter de réserve. Euh, premièrement. Et puis, deuxièmement, ils ont sans doute estimé que, euh, que euh, l'unité euh, de la conférence des évêques hein, primait sur euh, la remise en question d'un certain nombre de points, d'un certain nombre de dimensions de ce rapport. Voilà. <laughs> Merci infiniment de toutes ces passionnantes précisions. Donc je vous renvoie au numéro de l'homme nouveau, là, du 4 décembre 2021. Rapport sauvé, analyse critique de la méthode et de ses résultats. Merci infiniment de ces explications très claires. Merci à vous.